peau, le corps du chef Thierry Lassala retrouvé en montagne. Drame, le chef béarnais Thierry Lassala est décédé lors d'une partie de chasse à la bécasse, en solitaire dans la montagne. Il était parti à la chasse à la bécasse le 24 octobre, comme tous les lundis, mais n'avait plus donné signe de vie après 15h30. Le corps du chef palois Thierry Lassala, 53 ans, a été retrouvé par des chasseurs le 29 octobre, en fin d'après-midi. Appelés sur place, les secours n'ont pu que constater le décès. Le corps du patron du restaurant Zi Bistro a été retrouvé au pic du Mel d'Arouy, à 1251 mètres d'altitude, non loin de Loron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le cadavre gisait sur un sentier, en contrebas d'un enrochement, précise France Bleu Béarn. Le procureur de la République de Pau a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, qui a pu résulter d'une chute ou d'un malaise. Nombreuses références dans la gastronomie régionale. Thierry Lassala avait ouvert Zi Bistro à Pau en 2010, après avoir officié pendant 20 ans à la tête du restaurant de ses parents, au Bon Coin, à l'Urbe Saint-Christo, d'où l'on part d'ailleurs en balade vers le pic du Mel d'Arouy. Auparavant, il avait fait ses classes chez le chef Michel Guérard, dans les Landes, et chez Firmin Eurembide, à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques. Grand amoureux des vins, Thierry Lassala était très lié aux vignerons du Jurançon et de la Loire Didier Dagano, lui-même décédé dans un accident d'ulme dans les Pyrénées, en 2008.